accusé de fraude fiscale, Shakira doit faire face à la justice espagnole ces derniers temps. Des problèmes qui vont jusqu'à avoir une incidence sur le prince William, qui pensait pouvoir compter sur la chanteuse colombienne, mais qui va devoir trouver une alternative. On est loin du domaine musical, mais Shakira continue de faire parler d'elle. Pas pour les bonnes raisons malheureusement pour les fans de la chanteuse de 46 ans, puisqu'elle a été épinglée par le fisc espagnol. Accusée de fraude fiscale, elle a dû verser 6,6 millions après un accord avec le parquet espagnol. Les faits remontent à 2018, lorsque la Colombienne vivait toujours en Espagne, du côté de Barcelone, où elle s'est installée après s'être mise en couple avec le footballeur Gérard Piqué. Depuis, les deux stars se sont séparées et elle a déménagé direction les États-Unis et la ville de Miami. Si cette affaire coûte donc très cher à Shakira sur le plan financier, elle a également des répercussions sur la famille royale d'Angleterre. En effet, le prince William tient chaque année la cérémonie des prix Earthshot et CEST à Singapour en novembre dernier quoi eut lieu l'événement. Parmi les jurés, on a notamment retrouvé l'actrice Kate Blanchett ou le groupe One Republic, mais la chanteuse colombienne, qui était pourtant prévue, a préféré démissionner, si l'on en croit les révélations du Time. Face à ces problèmes judiciaires, la maire de Milan et Sacha a pris la décision de se retirer de l'événement, ce qui a certainement dû mettre dans l'embarras le prince William et les organisateurs. Un footballeur très connu également absent, mais Shakira n'est pas la seule star à avoir fait faux bond lors de la cérémonie des Earthshot. Un footballeur très célèbre était également attendu à Singapour, mais lui non plus ne s'y est pas rendu et pour cause, il se trouve en prison depuis le mois de janvier dernier. En effet, Dani Alves, ancien joueur du Paris Saint-Germain et idole au Brésil, est accusé d'agression sexuelle par une jeune femme et fait face à de très graves accusations. De facto, il n'a pas pu se rendre à l'événement organisé par le prince William et qui récompense des personnes mettant en place des solutions pour la cause environnementale. Malgré tout, la cérémonie a pu avoir lieu, mais l'absence de Shakira et Dani Alves n'est pas passée inaperçue.